projet d'entreprise. Esprit d'entreprise, Vincent Némon. Bonjour à tous. Alors que les pronostics économiques ne sont pas très encourageants pour les mois qui viennent, l'équipe d'Esprit d'entreprise tient à vous présenter ses vœux en ce début d'année 2012. Des vœux nourris par plus de 60 émissions, des centaines de rencontres d'entrepreneurs de toutes sortes, qui soufflent un certain esprit d'entreprise, qui place les valeurs aux bons endroits, à commencer par la valeur humaine. Au cœur de l'incertitude, source d'espérance, c'est donc en connaissance de cause que nous vous souhaitons à tous une bonne année 2012. Une année 2012 que nous sommes heureux d'entamer avec le journal L'Invisible. L'Invisible avec qui nous avons préparé ensemble non seulement cette émission, mais aussi une page de ce mensuel qui paraît pour ce mois de janvier 2012. Donc L'Invisible, je le rappelle, un mensuel catholique gratuit qui est aujourd'hui diffusé à plus de 200 000 exemplaires. Revenons à notre sujet. Si les indicateurs économiques, disais-je, nous permettent de poser un certain diagnostic sur notre monde, on ne peut pas s'en contenter et il nous faut aussi voir et comprendre l'état humanitaire de notre planète. Aujourd'hui, nous vous proposons de poser des regards croisés et parfois convergents, celui d'une grande entreprise dont le métier même touche à la vie et à la survie de millions de personnes, notamment par le traitement de l'eau. J'ai nommé Suez Environnement, dont le directeur général adjoint en charge de la recherche et le développement, l'innovation et la coordination du métier de l'eau, est avec nous, Bernard Guirquinger. Bonjour. Bonjour. L'autre regard est celui d'une organisation non gouvernementale, l'une des premières organisations humanitaires au monde, présente aussi bien dans les urgences que dans la durée, auprès de très nombreuses populations. Il s'agit du Secours catholique, membre du réseau mondial Caritas, représenté par Vincent Godbout. Bonjour Vincent. Bonjour et bonne année. Merci Vincent. Vincent, vous êtes professionnel de l'action humanitaire, ancien responsable de l'urgence internationale, notamment au Secours catholique, puis du mécénat au sein de cette même maison. Alors, à vous la première question, l'humanitaire et l'entreprise, deux mondes qui se rapprochent, oui, non, votre vision depuis quoi? Depuis 20 ans que vous êtes dans ce monde? Oui, je crois que nous sommes là en présence de deux univers qui de plus en plus se complètent, s'interpellent, dans le respect de leurs identités, dans le respect de leur mission, bien plus que d'actions généreuses de l'entreprise vers l'ONG, que l'on pourrait qualifier de mécénat. Je pense qu'on passe aujourd'hui à une vraie relation de dialogue autour des questions de responsabilité sociétale ou de bottom of the pyramid, qui est le bas de la pyramide, les personnes pauvres. De plus en plus d'associations sont également elles-mêmes des entreprises sociales, que les experts économiques nomment structures d'insertion par l'activité économique. Des hommes et des femmes y retrouvent au quotidien, se remettent debout. Le Secours catholique aujourd'hui accompagne en France environ 150 entreprises de cette nature qui remettent chaque année près de 5000 personnes sur le chemin de l'emploi. Entreprises que nous connaissons bien, hein, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Vincent? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui il y a un dialogue un peu plus intelligent ou intelligible, en tout cas entre l'entreprise et l'humanitaire? Vous avez des indicateurs, vous rencontrez vous-même des chefs d'entreprise qui vous disent c'est bien ce que vous faites, je vais vous aider? Oui, je crois que, alors, au-delà de la bonne action et de la bonne aide dont on vient de parler, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comités de parties prenantes qui se constituent, qui sont des vrais lieux de dialogue. Dans l'entreprise? Au sein de l'entreprise. Au sein du Secours catholique, nous avons aussi constitué un groupe multi-acteurs qui réunit des collectivités, des entreprises. Et chaque année, depuis maintenant 8 ans, j'organise une rencontre annuelle qui mixe ces acteurs, collectivités territoriales, administrations, entreprises et Secours catholique et autres associations. Bernard Guirquinger, vous avez occupé, vous, différentes fonctions hein, qui vous ont permis d'observer le terrain en France et puis aussi à l'étranger, à l'international, et notamment celui des pauvretés. C'est aussi un peu le métier de cet environnement que d'être auprès des populations les plus pauvres aussi. Quel est votre regard sur les humanitaires? Je ferai un petit commentaire tout à l'heure sur les parties prenantes, parce que je crois que c'est effectivement parti de là. Je crois que le regard des entreprises sur les associations humanitaires a considérablement évolué, et les entreprises ont réalisé que l'action humanitaire, quand on veut aider des populations défavorisées, que ce soit à l'étranger, des très pauvres, des gens qui ont besoin d'aide au développement, ou en France pour faire de l'insertion, les associations humanitaires, en fait, sont un vecteur extrêmement efficace en termes de rapport d'efficacité-coût, parce qu'ils peuvent aller directement auprès des populations et apporter une aide
de manière beaucoup plus opérationnelle que arrive à faire ce qu'arrivent à faire des institutions, des États, où c'est immédiatement extraordinairement compliqué. Et c'est vrai que cette prise de conscience, d'abord je pense que les associations elles-mêmes ont probablement progressé ces dernières décennies, mais cette prise de conscience a été associée au fait que les entreprises s'ouvrent, en fait, progressivement beaucoup plus sur le monde et sont moins centrées sur leurs propres activités et ont réalisé qu'il fallait dialoguer, pas seulement avec le client, mais avec toutes les parties prenantes, avec tout l'environnement, avec ceux qui font de l'humanitaire, mais ceux qui contestent aussi souvent le rôle des entreprises. Nous, on a un métier de service public, on est un Suez Environnement est un opérateur privé de service public, donc ça donne lieu à énormément de débats, et c'est très important pour nous de dialoguer avec tout le monde, y compris ceux qui ne comprennent pas pourquoi on fait appel à un opérateur privé dans certains cas. Oui, pourquoi par exemple faudrait-il payer l'eau qui est un bien universel, qui devrait être gratuit pour tout le monde? C'est quelque chose qui peut ne pas être compris par exemple. Voilà, là-dessus, vous pensez qu'il y a aussi une évolution des mentalités? Oui, alors il y a une évolution des mentalités parce que justement là, le dialogue apporte beaucoup. Oui. Hein, si je reste sur cet exemple, l'eau est effectivement gratuite parce que l'eau existe dans la nature. Simplement pour ramener l'eau jusqu'au pauvre qui en a besoin ou jusqu'à l'usager qui en a besoin, eh ben il faut la traiter, il faut poser des tuyaux, il faut avoir du personnel qui entretient ces installations. Donc ça coûte de l'argent et donc il faut simplement décider de qui paye. Ça peut être l'usager, celui qui bénéficie du service, mais ça peut être aussi le contribuable, ou ça peut être une aide au développement quand c'est un transfert entre le nord et le sud. Donc il y a un coût, il faut définir celui qui paye le coût. Il faut pas dire l'eau est gratuite. L'eau peut être gratuite et doit être gratuite quand les gens n'ont vraiment pas les moyens de payer. Par contre, il faut définir qui va supporter les coûts. Sinon, on n'arrive pas à progresser. Ça peut être aussi le donateur, c'est le cas du discours catholique qui fait beaucoup appel aux dons des particuliers, aussi de l'entreprise. Peut-être une question à vous deux, la même question, qu'est-ce que vous entendez par humanitaire, tout simplement? Peut-être Vincent Godbout, c'est quoi pour vous l'humanitaire? C'est un métier, c'est une démarche, une posture, une philosophie? Oui, je crois que c'est peut-être assez proche d'une philosophie ou d'une démarche. Alors, bien sûr, il s'agit d'apporter de l'aide en situation d'urgence. Bien sûr, c'est d'être présent avec les populations dans le cadre de programmes d'aide au développement. Mais plus simplement, je pense que c'est être présent auprès de ceux qui en ont besoin, quand ils en ont besoin et là où ils en ont besoin. Simplement. Et en ça, je pense que c'est une certaine forme de philosophie. On peut dire les humanitaires, etc., etc. C'est vrai que ça a été un terme très en vogue dans les années 70-80. Un peu idéologisé même. Peu idéologisé, tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois que ça se rapproche vraiment de cette question de fraternité, d'être proche de ceux qui en ont besoin. Proche de ceux qui sont loin de tout. Oui, ça, je connais ce slogan-là. Pour vous, Bernard Guéquinger, l'humanitaire, c'est aujourd'hui une donnée indissociable de l'entreprise classique telle que peut l'être Suez Environnement? C'est quelque chose qui fait partie du code génétique de l'entreprise? Oui, alors pour nous on considère que l'humanitaire fait partie de notre responsabilité sociétale en tant qu'entreprise, et c'est une façon pour nous d'apporter notre savoir-faire dans des zones vis-à-vis de populations qui n'ont pas accès aux prestations normales que peut fournir soit un opérateur public de distribution d'eau, soit un opérateur privé de distribution d'eau. Donc on intervient dans des zones extrêmement défavorisées, où tout simplement aujourd'hui le niveau de développement ne permet pas aux populations d'accéder à de l'eau potable, à l'assainissement et d'accéder aux services basiques liés à l'hygiène. Et vous intervenez à perte ? Nous on considère que l'humanitaire... c'est un don que fait l'entreprise. On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Suez Environnement Initiative, qui est doté d'à peu près 4 millions d'euros. On consacre 1 million d'euros à de l'insertion en France, donc pour aider des populations très défavorisées à retrouver le chemin de l'emploi. Dans ce cadre, on vient de faire une opération avec une maison pour rebondir à Bordeaux, et on consacre 3 millions d'aide au développement dans des pays extrêmement pauvres, en Afrique, en Asie, soit à travers une association qu'on a créée à l'intérieur, soit avec
des partenariats comme ceux qu'on a avec le Secours catholique et d'autres associations. Alors quand on vous écoute, hein, on a l'impression que tout va bien finalement dans le meilleur des mondes, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être connaissent un peu ces clichés, on va dire, celui de l'entreprise qui poursuit d'abord le profit et on le comprend parce que c'est sa raison d'être, et puis celui de l'ONG qui est facilement un peu idéologique, un peu idéaliste. Vous nous dites aujourd'hui l'un et l'autre, ça n'a pas existé, en tout cas c'est terminé, on est dans du dialogue, il n'y a pas de nuages. Vincent Godbout. Moi, il me semble que depuis une quinzaine d'années, en France en tout cas, les mentalités évoluent énormément. Les Français se rapprochent de l'entreprise, ça c'est une quasi-certitude. Mais il me semble qu'on assiste à une espèce d'effet ciseau où on a d'un côté des grands groupes qui annoncent des résultats en croissance chaque année, etc. Et puis au quotidien, sur les territoires, qui ferment des sites. Et là, il y a une vraie incompréhension qui est en train de naître. Et je pense qu'il faut recréer du dialogue sur les territoires, près de chez nous, parce que ces grands groupes qui sont aujourd'hui des groupes internationaux, qui sont présents partout, se développent beaucoup à l'étranger, annoncent des résultats mirobolants quand ici, près de chez nous, au quotidien, dans les équipes du Secours catholique, nous recevons des gens qui ont vu leur entreprise fermée il y a quelques années et viennent frapper à la porte du Secours catholique un jour ou un autre. Et ça, c'est terrible, quoi. Et c'est en ça que c'est une espèce d'effet ciseau. Et je crois qu'il y a une vraie incompréhension qui est en train de naître, avec en plus, bon, quelques gros dégâts causés par quelques exceptions, chefs d'entreprise qui se comportent pas tout à fait correctement en France. Et il me semble que si chacun d'entre nous, si chaque acteur sur un territoire se met ensemble, si on met en place des pactes territoriaux, nous pourrions avancer vers une confiance plus grande encore. Marie Kinger, vous partagez ce diagnostic. Bon, il y a une compréhension plus grande de la population. Vous parliez de Bordeaux, par exemple, où vous avez une expérience sociale, finalement. C'est plus facile, mieux compris qu'avant. C'est quelque chose qui se fait naturellement, y compris d'ailleurs en interne. Hein. Ma question aussi s'adresse à l'interne de vos structures. Oui. Alors, je vais d'abord répondre sur l'interne. Moi, je voudrais rappeler qu'une entreprise, c'est le carrefour entre des salariés, des clients et des actionnaires. Et ce carrefour-là doit être porteur de sens. Et de ce point de vue-là, c'est très important que l'entreprise ait des valeurs. Nous, on est très attentifs à toutes les valeurs qui tournent autour du service public, parce qu'on est un opérateur privé de service public, donc on a très facilement des valeurs d'accès équitable au service public, de continuité du service public, et notre personnel est porteur de valeurs de fraternité, de solidarité. C'est assez naturel. Et donc, l'humanitaire pour nous, c'est un prolongement de ça. Et c'est d'ailleurs remarquable que l'association qui a été créée au sein de Lyonnaise et Eaux Aquassistance, c'est quelque chose qui est parti d'une initiative qui a pratiquement été prise par des salariés qui voulaient apporter à titre bénévole une aide à des populations très défavorisées. C'était au moment des problèmes au Rwanda, des problèmes humanitaires au Rwanda, et c'est comme ça qu'est née cette association de bénévoles à l'intérieur de l'entreprise, que l'entreprise aide maintenant. Donc c'est un prolongement de valeur de l'entreprise, et je crois que justement pour l'image des entreprises, c'est très important de rappeler que l'entreprise c'est un tout, et le chef d'entreprise est au carrefour et doit être l'animateur de tous ses intérêts qui peuvent être divergents à court terme, mais qui sont toujours convergents à court terme. Vous ne pouvez pas faire une entreprise durable, une entreprise qui dure, si vous n'êtes pas porteur de valeur. Donc pour nous, l'humanitaire, c'est ça. Générer une ONG interne, finalement. Oui, nous, on a généré une ONG interne, et c'était une façon de donner du sens, et nos salariés, les retraités, sont disponibles et travaillent à titre bénévole pour faire de l'action humanitaire. Vincent Godbout, comment on voit ça, un grand groupe comme ça, qui crée sa propre ONG, c'est pas un peu énervant, quand même, pour ceux qui sont dans le métier, s'occuper des pauvres sur la planète? Non, je pense que c'est intéressant. Alors, d'une part, il y a des ONG qui sont spécialisées, c'en est une, Aquassistance en est une, et c'est extrêmement important que des ONG généralistes, type le Secours catholique,
puisse s'appuyer sur des compétences d'ONG. D'ONG c'est assez rare quand même, c'est quelque chose qui n'existe pas trop ailleurs, les ONG internes. Alors il y a quelques exemples en France, il y a quelques exemples sur la planète hein, qui existent, en particulier dans le domaine de l'énergie, et là c'est vraiment très intéressant. Ouais, Nous avons eu également d'autres opérations, d'autres partenariats dans le champ de l'énergie dans d'autres pays à l'international. Vous pouvez dire des noms, hein, vous avez le droit. Hein. Oui, non, bien sûr. Il y a rassembleur d'énergie de GDF Suez hein, qui fonctionne sur le même système. Voilà, celui-là vous pouvez le dire aussi, pas de problème. Voilà, tout à fait. Et donc, je crois que ces ONG, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du financement que peuvent nous apporter les fonds de dotation des entreprises ou les fondations d'entreprises, on met aussi en place des missions communes sur le terrain avec des experts d'un côté technique, des techniciens, et des experts sociaux, sociétaux de l'autre, que sont les bénévoles ou les salariés. Les chargés de projet, les chargés de projet, exactement. Ouais, ouais. Et c'est sur le terrain que la rencontre se passe et que la mayonnaise prend, si je puis dire. Et finalement, lorsqu'on a fait une mission ensemble, des liens se créent. Et c'est jamais des liens sur le court terme, c'est vraiment des liens de long terme. Et c'est une compréhension mutuelle qui se un peu toujours pareil. Hein, finalement, c'est évidemment le bénéficiaire qui fait que les gens se mettent ensemble. On va reparler de ce sujet après la première pause de notre émission. Première pause dont la musique a été programmée par vous, Vincent Godbout. Vous avez choisi l'adagio du concerto pour piano en la mineur d'Edward Grieg. C'est pour moi qui vous reprocherai ce choix. Pourquoi ce choix, Vincent ? Moi, simplement, quand j'étais ado, j'ai fait partie de l'Orchestre Européen des Jeunes. C'est pas et vrai. En Allemagne, on a eu l'occasion de jouer ce morceau. Et vous étiez au piano ? C'était super. Non, pas du tout. J'étais au trombone et voilà, c'était une expérience très intéressante. Bien. Alors, on écoute l'adagio, ce concerto. On écoute particulièrement le trombone et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Notre-Dame.
Voilà, on va laisser là l'Orchestre National de Bordeaux. Je ne connais pas l'interprète de ce concerto en la mineur pour piano, donc d'Edouard Grieg. C'était le morceau choisi par Vincent Godbout, qui représente le Secours catholique dans cette émission dédiée à l'humanitaire et à l'entreprise. Nous sommes aussi en présence de Bernard Guirquinger, qui est là pour Suez Environnement. Bernard Guirquinger, je me tourne vers vous pour entamer cette deuxième partie de notre émission consacrée donc à l'humanitaire et à l'entreprise. On parlait juste avant la pause de ces partenariats qui se nouent entre l'entreprise et l'humanitaire. Concrètement, vous voyez ça comment vous-même de votre fenêtre, je dirais, Vincent parlait des rencontres qui se font sur le terrain et qui ensuite se pérennisent. Vous allez les chercher les humanitaires, comment ça se passe? Oui, alors on crée des liens avec les humanitaires, souvent à travers d'actions sur le terrain, mais il faut bien réaliser que nous on consacre à peu près 3 millions d'aides humanitaires pour l'accès à l'eau, l'hygiène publique, l'aide au développement, donc ce qu'on fait en dehors de la France. On a les moyens. Et ça, c'est dans vos contrats, je dirais, habituels avec vos contrats non, classiques. Non, ça, c'est une décision qu'on a prise au niveau de l'entreprise à travers notre fonds de dotation. Et, cette somme-là, pour bien la dépenser, nous avons besoin de nouer des partenariats parce que nous n'avons pas les moyens, même avec notre association, qui rassemble plus de 300 membres, nous n'avons pas les moyens de dépenser efficacement cet argent et de faire des investissements efficaces pour aider les plus défavorisés en matière d'accès à l'eau ou d'aide au développement. Et il y a un deuxième domaine où on a absolument besoin de partenariat, c'est pour les interventions d'urgence. Parce que quand il y a une situation d'urgence, un tsunami, un tremblement de terre, et qu'il faut intervenir très très vite, il faut mobiliser du matériel, il faut transporter du matériel dans des endroits souvent devenus inaccessibles à cause de la catastrophe qui vient de se produire, on a besoin de partenariats avec des associations qui ont souvent beaucoup plus de moyens que ce que peut avoir une entreprise comme Suez Environnement. Et il y a un bel exemple qui est Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, Suez Environnement a des liens depuis des décennies avec différentes instances haïtiennes, on était sur le terrain, et quand il y a eu le tremblement de terre, on a décidé de se mobiliser de façon exceptionnelle, on a immédiatement noué un partenariat avec ACF, Action contre la faim, avec lesquels on avait l'habitude déjà de coopérer à Haïti. Et donc c'est ce travail ensemble, entre ce que l'entreprise fait au niveau humanitaire, et ce que savait faire ACF qui nous a permis d'être présents dans les 48 heures qui ont suivi le tremblement de terre de Haïti. Comment ça se passe concrètement? Il y a quelqu'un chez vous qui est chargé de ça, et qui prend son téléphone et qui appelle le président d'ACF et qui dit on va bosser ensemble. C'est quoi la procédure? Comment ça marche? Vous avez c'est un peu à chaque fois différent. Peut-être que je vais poser la même question à Vincent aussi. Oui, alors, quand il y a une catastrophe naturelle qui se produit quelque part et qu'on sent qu'on peut apporter quelque chose en matière d'accès à l'eau, parce que tout d'un coup, il y a des ruptures de canalisation, les gens n'ont plus accès à l'eau et que il faut intervenir de manière urgente pour avoir apporté de l'eau potable. Je prends l'exemple d'Haïti, on a mis en place une cellule de crise qui a immédiatement fonctionné. On s'est mis en rapport avec ACF. Sûr, c'était les premières actions. On a mobilisé en interne pour savoir qui était prêt à partir, parce qu'il faut trouver les volontaires en 48 heures. On a immédiatement réfléchi à quel matériel on était capable de mobiliser, parce qu'on a un magasin humanitaire, c'est très important. Donc, pour intervenir sur le terrain, on a des stocks de matériel, et on s'est mis en rapport, dans le cas d'espèce, avec le ministère des Affaires étrangères, qui a assuré la partie logistique. Donc voilà, donc il y a eu une cellule de crise qui s'est mobilisée et qui ensuite a suivi les opérations sur le terrain et on savait exactement ce qui se passait. On a pu renvoyer du matériel après. Au bout de 15 jours, on a fait des rotations d'équipes parce qu'il fallait que les équipes rentrent. En plus, dans le cas d'Haïti, on était aidé par nos implantations à proximité puisqu'on est très présent en Martinique. On est présent aussi aux États-Unis, donc on a réussi à faire converger là-bas, une base logistique de proximité en Martinique avec une intervention aussi depuis les États-Unis. C'est important de citer aussi le ministère des Affaires étrangères, vous le dites, hein, qui finalement a souvent un rôle de coordinateur dans ces urgences. Vincent Godbout, le partenariat en urgence, on en parle à l'instant, voilà, vous avez un coup de fil, vous êtes comme ça du mécénat au Secours catholique, vous avez un coup de fil de cet environnement qui vous dit on est en Martinique, on est en Amérique du Nord, pas loin, mais vous êtes pré-positionné sur place, on vous envoie des purificateurs, enfin, je ne sais pas exactement ça, mais
Oui, donc le Secours catholique est membre du réseau international Caritas. Donc il y a de toute façon, quasiment dans tous les pays du monde, d'abord des acteurs locaux qui sont présents et qui font face aux premiers secours. Les premiers secours imminents, d'urgence, d'extrême urgence, d'urgence vitale. Effectivement, très rapidement, dans les heures qui suivent, des conférences téléphoniques se mettent en place entre différents acteurs, des réunions effectivement au ministère des Affaires étrangères, où sont présents les collectivités locales, les entreprises, les ONG, qui fait quoi, qui est où, comment est-ce qu'on fait, etc. Et effectivement, le ministère a un vrai rôle de coordination et d'appui dans la logistique, et ça c'est extrêmement important. Je crois qu'on ne monte pas un partenariat sur un coup de pouce. Il faut que les gens se connaissent et on agira bien dans l'urgence à partir du moment où il y aura une vraie confiance qui existera entre les personnes et où les personnes parleront le même langage. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit encore, dans certains cas, que des personnes d'entreprise et des personnes d'ONG ne parlent pas tout à fait le même langage. Et c'est seulement à partir du moment où l'on se connaît, où on a pu dialoguer en amont des situations d'urgence, avant les situations d'urgence, qu'on aura une vraie réponse efficace. Ce serait une forme de préformation, si je puis dire, pour être efficace lors de l'urgence. Au cours des années 2000, alors c'est un peu ancien, nous avions également créé avec un parlementaire un club qui s'appelait le Club Synergie Humanitaire, qui regroupait aussi différents acteurs, entreprises, ONG, et ce club se réunissait, faisait le point des actions qui étaient conduites, et ça permettait de la compréhension mutuelle et de se préparer pour les prochaines urgences. Alors, vous avez été tous les deux sur les terrains internationaux avec des fonctions diverses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une particularité française à l'action humanitaire? Est-ce que les entreprises françaises sont un peu plus ouvertes ou un peu plus dans la compréhension de l'action humanitaire que peut-être l'entreprise américaine ou allemande? Ou est-ce que finalement, face aux détresses, on arrive toujours à s'arranger? Moi, je pense que on a la chance en France d'avoir des entreprises qui sont les premiers mondiaux, des leaders mondiaux, quoi. Ou presque. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler entre grandes entreprises et grandes ONG. Voilà pour moi. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait des différences. Les Américains, il y a des entreprises américaines sur le terrain, il y a des grandes ONG américaines qui sont sur le terrain. Non, je le définirais pas sous cette de cette manière-là. On avait vu des petites choses qui étaient apparues au moment du tsunami, avec des différentes interventions côté américain et côté français. Un savoir-faire peut-être, je ne pose pas de cocorico particulier, mais il y a un savoir-faire peut-être, ou peut-être une inculturation plus facile par les Français, non? Pas particulièrement, Bernard Carquinger. Non, moi je dirais pas ça. Hein. Je dirais pas ça. Je voudrais juste souligner la complexité qu'il y a à intervenir dans des zones en crise. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très complexe. Ça, il faut bien le réaliser. Oui, oui. D'ailleurs, souvent, c'est une des difficultés qu'on a, y compris en interne, parce que les gens sont généreux, les gens ont envie de faire, quand ils voient une catastrophe quelque part, ils ont envie de se mobiliser, soit en donnant de l'argent, en allant sur le terrain, et quand on leur dit, mais attendez, on n'a pas les moyens logistiques pour Haïti, par exemple, la France a eu du mal parce que le pont aérien a été assuré par les Américains, il a fallu qu'on envoie du personnel à Saint-Domingue, ensuite qu'on prenne des avions de Saint-Domingue à Haïti... Donc ça peut se révéler très compliqué, ou alors il y a des considérations géopolitiques actuellement dans la Corne de l'Afrique, par exemple, il y a des besoins humanitaires considérables que tout le monde imagine, c'est très difficile d'accès, c'est même quasiment impossible d'accès pour beaucoup d'ONG, il y a des camps de réfugiés à Djibouti qui ont besoin d'eau, nous on est prêts à intervenir à Djibouti pour alimenter ces camps de réfugiés avec des installations de dessalement d'eau de mer pour donner de l'eau, simplement Djibouti n'a pas envie de pérenniser ses camps. Et donc, pour intervenir à Djibouti, nous ne pouvons pas décider d'intervenir à Djibouti. Donc, on a envie de faire quelque chose pour la Corne de l'Afrique et on sort à des réalités politiques qui sont parfois extrêmement difficiles à surmonter. Et est-ce que quelquefois, l'entreprise n'est-elle pas mieux placée presque que l'ONG, justement, parce que elle est déjà fournisseur d'un État ou d'une collectivité locale, elle sait un peu comment ça fonctionne? Et là, vous parlez de Djibouti, vous êtes déjà sur le terrain, vous, peut-être. Oui, alors, on est déjà sur le terrain. Là où on a un plus, c'est ce que Vincent disait tout à l'heure, c'est que on a des compétences dans nos domaines plus pointues que ce que peuvent avoir une ONG. C'est vrai qu'on a des spécialistes du traitement de l'eau, on a des électromécaniciens, on a des gars capables de réparer des fuites.
et on a du matériel immédiatement disponible. C'est là qu'il y a une différence qui peut se créer face à une ONG qui a une approche plus générale des problèmes. Ça, c'est mais qui a aussi plus de moyens sur le terrain et qui sait parfois mieux gérer que nous du relationnel sur le terrain. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée, Vincent Godbout, du volume de l'aide des entreprises que les entreprises donnent aux ONG? Est-ce que c'est chiffrable? Est-ce qu'on peut se rendre compte? Parce qu'en gros, on a les États qui font de l'aide au développement dans l'urgence, on a les donateurs particuliers, puis l'entreprise qui, d'une façon ou d'une autre, par la compétence, par du financement ou du matériel, donne. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la part que prend l'entreprise? C'est assez difficile à quantifier, et en fait l'objet n'est pas réellement là, quoi. Mais en général, dans les grandes ONG en France, 1,5 à 2% du budget vient du mécénat ou des dons d'entreprise. C'est quand même pas beaucoup. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. C'est gâteau, vous, non? C'est mieux que rien. Mais je crois qu'en réalité, l'aide des entreprises est nettement supérieure. Parce qu'en fait, il y a aussi tout le volet que je ne sais pas valoriser aujourd'hui par la mise à disposition de personnel, par la mise à disposition de matériel, par la mise à disposition de compétences, mais aussi, et de plus en plus, par la mise à disposition de produits issus de la R&D. Des entreprises qui nous intéressent beaucoup, en particulier pour les personnes les plus pauvres. Par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, j'étais en Inde il y a un mois où j'ai visité Essilor, qui développe un programme, alors on n'est plus du tout dans les urgences là, hein, mais qui vend à prix coûtant des lunettes aux personnes pauvres. C'est donc du commerce, on appelle cela le BOP, ça a été théorisé par un Indien qui s'appelle Prahlad. Ça se développe beaucoup sur l'ensemble de la planète. Il s'agit de dire et de proposer des produits de qualité à des personnes en grande difficulté. Et grâce à ces lunettes, les personnes peuvent travailler 10 ans de plus. Et donc ne pas dépendre de l'aide humanitaire. Ça, c'est extrêmement un programme très, très, très intéressant qui n'est pas chiffré. Pas quantifiable, bien sûr. Oui, oui. Qui n'est pas chiffré de mon côté. Et aujourd'hui, nous avons des partenariats qui se développent en France aussi, avec Blédina, par exemple, mais aussi Schneider Electric, qui développe des compteurs où on peut lire, des compteurs d'énergie, où on peut lire en euros. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on a un budget très serré, très contraint, de pouvoir lire sur son compteur d'énergie, ou d'eau peut-être demain, ce que l'on a consommé en euros, et pas en kilowatt-heure ou en mètres cubes, qui ne signifie rien du tout. Et Schneider Electric a développé ce type de projet dans le Nord, avec une structure qui fait du logement social qui s'appelle Le Chenelet. Et ça, c'est très intéressant. Bernard Yacquinger, vous êtes patron du R&D aussi, hein, chez ce environnement. Vous avez aussi cette préoccupation dans la recherche et le développement d'innover aussi en matière sociale, finalement? Ah oui, alors, nous, on a des politiques d'innovation qui sont historiquement très centrés sur les questions techniques, mais c'est vrai que l'évolution de ces dernières années, on innove aussi sur le plan social. Par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les tarifs sociaux, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a un coût qui doit être assumé pour apporter de l'eau à tous. Comment répartir ce coût de façon équitable en fonction de la capacité de chacun à y contribuer? Et donc, que ce soit d'ailleurs en France, où on a mis en place, par exemple, des tarifs sociaux avec la ville de Libourne, ou que ce soit à l'étranger, que ce soit à Casablanca, ou j'étais récemment au Chili, où il y a des tarifs sociaux qui résultent d'une co-construction entre les autorités politiques, les usagers et les propositions de l'entreprise. Et ça, vous avez votre mot à dire dans cette mise au point, dans cette politique finalement tarifaire. Nous on est un opérateur de service public qui travaille pour le compte d'une autorité politique, donc on peut faire qui est notre client. Nous on peut faire des propositions. C'est à l'autorité politique de décider. Nous n'avons pas de pouvoir de décision en matière de tarification d'eau nulle part au monde et on ne veut pas l'avoir. Par contre, La raison d'être d'une entreprise comme la nôtre qui a une expérience en France et dans le monde, on a aujourd'hui plus de clients en dehors de France qu'en France, c'est justement de faire tourner les savoir-faire, d'apporter les bonnes pratiques. Pour rebondir sur un sujet plus technique, nous on a beaucoup travaillé par exemple sur le dessalement d'eau de mer pour réduire la consommation énergétique nécessaire au dessalement d'eau de mer. Et dans ce cadre-là, on a développé
des outils qui nous permettent de dessaler des toutes petites quantités pour des camps de réfugiés, par exemple. Bah, ce que vous disiez à l'instant sur Djibouti, par exemple. Alors, on n'a pas parlé encore du rôle de l'Europe, mais on va le faire tout à l'heure, et des instances internationales. En attendant, on va écouter l'hymne européen, c'est-à-dire l'hymne à la joie, le quatrième mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven. C'est vous qui avez programmé cette symphonie, Bernard Guercinger. Alors, les raisons de cette programmation? Oh, bah, le point de départ, c'était effectivement l'Europe, parce que moi, je suis profondément européen, et je suis un peu désespéré de la situation dans laquelle on est, et je pense qu'il faut retrouver du sens, une vision, un projet commun. Et pour moi, l'Europe, c'est quelque chose de très important, puisque c'est 50 ans de paix et de prospérité. Il faut le répéter, on le dit pas assez. Et puis, finalement, en regardant le texte de l'Ode à la joie, on s'aperçoit que ça a un rapport aussi avec notre sujet d'aujourd'hui, puisque on parle de fraternité et de joie. Donc, le texte de Schiller, on écoute ça, on se met debout en ce qui nous concerne, on écoute l'hymne à la joie, et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Notre-Dame. Thank you.
Troisième partie d'Esprit d'entreprise, nous sommes au téléphone avec Michel Meunier, le président du Centre des jeunes dirigeants. Objectif Oikos, quand l'entreprise s'adresse aux candidats. Michel Meunier, vous êtes là? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien, très bonne année à vous. Ah bah écoutez, oui, meilleurs vœux à tous vos auditeurs, la santé, parce que c'est extrêmement important, et beaucoup de bonheur et de prospérité. Alors Michel Meunier, votre livre blanc, qui est maintenant paru depuis quelques jours, quelques semaines même. Oui, fait son petit... est sorti en fait effectivement le 25 novembre dernier, alors, en partenariat avec, avec le magazine Challenge, j'ai distribué à 45 000 exemplaires. Et vous l'emmenez dans les régions, vous faites une tournée, 17 étapes. Oui, tout à fait, un tour de France, 17 étapes, Rouen donc le 9 janvier prochain, et ensuite on ira en Picardie, dans la Loire, en fait un tour de France complet des 17 régions du CJD, pour échanger localement avec les hommes et femmes politiques des territoires sur les propositions du CJD. Alors c'est quoi ces propositions? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ou nous en résumer l'esprit global? Mais bien sûr, alors l'esprit global de ce collège d'experts, d'économistes, d'historiens qui ont travaillé avec le CJD, c'était vraiment de proposer un projet de société solidaire. Donc en fait, c'est vraiment des propositions qui sont complètes, qui travaillent sur quatre axes. Il y a l'axe de la fiscalité. Donc sur la fiscalité, par exemple, une mesure phare, ce serait de basculer la fiscalité qui pèse sur le travail sur une fiscalité qui pèse sur l'écologie, donc sur les ressources. Il y a aussi une idée autour de la taxation du patrimoine, au lieu de taxer le revenu, taxer le patrimoine, qui permettrait de supprimer l'impôt société, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et le droit de succession. Donc on a vraiment une réforme fiscale qui se veut solidaire, avec notamment, grâce à l'allègement du coût du travail et à la suppression de l'impôt sur le revenu, la mise en place de ce qu'on a appelé un impôt unique de redistribution qui serait prélevé à la source et qui permettrait de financer à chacun et chacune, à tout citoyen, sans condition d'âge ni de sexe, qu'on a appelé une allocation universelle, donc qui permet à chaque adulte de toucher 400 euros et à chaque enfant 200 euros. Et cette proposition, elle est atypique, par exemple, parce qu'on veut sortir du système de l'assistanat, on propose de supprimer les 30 minima sociaux, et donc d'avoir un revenu, parce que ce pays est riche, non pas pour exister, mais parce qu'on existe, et donc de remettre un peu d'humanité et de solidarité. Donc voilà un petit peu les propositions sur la fiscalité. Et Michel Meunier, pourquoi est-ce que le CJD s'occupe de ça? Parce que vous êtes quand même sur des terrains qui ne sont pas directement les vôtres, là, quand vous parlez de ce revenu minimum, etc. Mais oui et non, on est acteur citoyen, père de famille, contribuable, on est chef d'entreprise engagé sur nos territoires avec 73 ans d'histoire du Centre des jeunes dirigeants qui a toujours compté dans les événements politiques. En 2007 déjà, nous avions reçu les candidats à l'élection présidentielle, on les recevra encore le 30 mars prochain 2012 à Paris devant plus de 1000 entrepreneurs du CJD. Et l'idée c'est qu'à un moment donné, quand on est citoyen, chef d'entreprise, on est acteur de son territoire, et quand on voit les difficultés économiques, sociales du moment suite aux crises, mais même avant, depuis 30 ans en fait, nos hommes et femmes politiques malheureusement ne trouvent pas des solutions à nos difficultés. On se dit, nous, chefs d'entreprise, qu'on a notre carte à jouer avec notre côté apolitique, laïque et démocratique. Le CJD se veut être porteur de valeurs fortes, de valeurs de société, mais surtout de propositions parfois utopiques, mais ne dit-on pas plutôt pis d'hier et l'arrêté d'aujourd'hui. Par exemple, la suppression de l'argent liquide, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on nous dit, vous êtes des doux rêveurs, on le portait déjà en 2007, mais si on veut résoudre les maux MAUX de notre société, que sont la corruption, la prostitution, la drogue, le blanchiment d'argent, le travail noir, on pourrait aujourd'hui, avec les outils technologiques modernes, sans aucun souci, changer de paradigme. Ouais, enfin, pour acheter la baguette de pain, excusez-moi, c'est quand même plus commode d'avoir un euro dans sa poche. Oui, mais aujourd'hui, vous avez la carte Monéo qui marche très bien, qui est un porte-monnaie électronique, et sur votre carte bleue, vous avez ce porte-monnaie. Et même avec le portable, maintenant, on peut acheter. Dites-moi, Michel Meunier, où est-ce qu'on peut trouver ce livre blanc? Il est sur Internet? Tout à fait, il est à disposition sur le site du CJD, vous faites www.cjd.net, et il est téléchargeable, le livre blanc Objectif Oikos, 12 propositions pour 2012. Voilà, vous avez un bon écho, les élus vous reçoivent, ils vous écoutent. Eh ben écoutez, oui, parce qu'on a quasiment calé en 15 jours nos 17 dates en région, et les gens se bousculent à la porte pour débattre avec nous, donc on est très fiers et très contents. Les débats promettent d'être houleux parfois, mais je pense intéressants, riches, et vont ouvrir le débat et vont permettre de faire valider dans la société et avoir un retour des élus sur le travail de 18 mois de recherche du CJD Lab. Eh bien, merci beaucoup Michel Meunier, on va être obligé de s'arrêter là. En tout cas, on invite les auditeurs à aller sur votre site, le site du CJD, pour découvrir quelles sont ses propositions.
Et puis, on se retrouvera, sinon des visu, au moins au téléphone, lorsque vous aurez fini la tournée et que vous recevrez les ténors, les candidats aux élections pour nous dire, vous raconter ce que vous leur dites et ce qu'ils vous répondent. Voilà, d'ici là, bon courage d'ici là. Oui, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir Michel Meunier, à bientôt. Voilà, retour dans Esprit d'entreprise pour cette troisième partie de l'émission. Nous sommes toujours avec Vincent Godbout et Bernard Guirquinger, respectivement du Secours catholique Caritas France et puis de Suez Environnement. Avec vous, on continue à parler de cette question de l'humanitaire et de l'entreprise. Une petite question quand même sur la durabilité. C'est un point de convergence aujourd'hui entre l'ONG qui porte cette question un peu comme un flambeau. Il faut que l'action soit pérenne, l'urgence c'est bien, mais faut dépasser l'urgence, passer au développement. D'ailleurs, parfois les donateurs comprennent pas très bien ça. Hein. Et puis, vous dites, Marc Guirquinger, c'est aussi une de nos préoccupations, c'est finalement la pérennité. Oui, alors, au niveau pérennité, nous, quand on évalue un projet, par exemple, d'aide humanitaire, c'est très important pour nous de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Si vous créez une hydraulique villageoise, si vous aidez les villageois à installer une pompe, des tuyaux, il faut tout de suite définir avec eux qui va réparer les tuyaux, qui va fournir l'électricité à la pompe. Donc l'organisation mise en place au sein de la communauté est pour nous un critère important pour savoir si le projet est viable à moyen ou long terme ou pas. Donc ça, c'est un critère pour nous absolument fondamental. Comment va être organisé ce qui est investi dans la durée. Et comment vous faites pour le valider? On a un certain nombre de critères. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il existe une association, il faut qu'il existe une institution. Ces institutions travaillent souvent avec des associations de migrants en France qui permettent de faire un lien. Et puis il faut que le projet montre qu'il y aura les ressources financières nécessaires pour faire les réparations et l'approvisionnement ensuite. Il y a un deuxième domaine, à mon avis, qu'on n'a pas abordé, qui est absolument fondamental, c'est la formation, c'est le transfert de savoir-faire. Alors ça fait partie de notre métier, c'est-à-dire que quand on distribue de l'eau à Alger ou quand on distribue de l'eau à Casablanca, ça veut dire qu'on organise la formation des équipes locales, des Algériens, des Marocains, et on a des capacités à le faire qui sont tout à fait exceptionnelles. Et dans le domaine humanitaire, on a mis en place quelque chose dont on est très fier, qui s'appelle la chaire Eau pour tous, qu'on a mis en place avec Paritech, et qui en fait est un master qui s'adresse à des cadres de pays pauvres qui ont eu une première expérience professionnelle et qu'on aide à franchir un cap. Ils viennent à Montpellier pendant un an à peu près, c'est 6 mois et 6 mois sur le terrain et 6 mois à Montpellier. Et on les aide à franchir un cap en matière de formation professionnelle pour pouvoir progresser en termes de prise de responsabilité dans leur pays. Donc cet aspect formation est pour nous quelque chose aussi important, à la fois au niveau du métier et au niveau humanitaire. Pérennité et puis formation, Vincent Godbout, ce sont deux mots qui vous sont tout à fait, qui sont banals pour vous. Hein. Oui, effectivement, ce sont des termes qui sont connus, la pérennité et la formation. Je pense en particulier aux prêtres de Don Bosco, par exemple, qui ont ouvert beaucoup de centres de formation ici ou là. Je pense aussi au Père Blanc. On parlait d'Alger, c'est une ville que je connais relativement bien, où nous avons, enfin, où des prêtres, des pères blancs ont monté des centres de formation au métier de la soudure, au métier de divers et variés, et c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir des partenariats avec des entreprises du type Suez Environnement et d'autres. Qui ont en fait les savoir-faire et qui sont là pour les transférer finalement, hein, c'est votre métier. Bien sûr, c'est notre métier et on a les formateurs. C'est-à-dire que dans cette formation chère ou pour tous, c'est des salariés de Suez Environnement qui font la formation, qui apportent leur métier à ces cadres qui viennent se former chez nous. Et c'est bien sûr le cas aussi au Maroc, en Algérie ou en Asie. Un tout petit mot rapide, parce que malheureusement on arrive à la fin de l'émission, sur l'avenir, sur 2012 peut-être. Vous le voyez comment 2012, Vincent Godbout, vous avez des entreprises que vous allez chercher? Oui, effectivement, donc de plus en plus de dirigeants d'entreprises s'engagent avec le Secours catholique, ils s'engagent pour l'insertion, à accueillir des personnes ayant traversé des difficultés qui se remettent debout. C'est là un grand signe d'espoir et il faut continuer, quoi. Voilà, écoutez, Vincent Godbout, Bernard Guirquinger, merci beaucoup d'être venu dans l'Esprit d'entreprise. Merci aussi au journal L'Invisible pour le partenariat que nous avons noué pour ce mois. Vous pouvez retrouver cette émission demain, exceptionnellement à 10h mercredi et puis donc samedi aussi. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir le mouvement des cadres chrétiens, le MCC, dont nous recevrons le responsable national, Ludovic Salvo. D'ici là, bonne semaine à tous. Merci.